C'est bien volontiers que je donne mon point de vue sur cette opération que la boulangerie varoise, ou en tout cas une partie de la boulangerie varoise sur les communes de Toulon, de Hyères, d'Ollioules, de La Seyne, de La Farlède, du Pradet, fait avec un collectif de fanas du vélo, hein, de la Petite Reine, à l'occasion de la semaine du développement durable. La boulangerie s'inscrit tout naturellement dans le développement durable parce que nos clients, ce sont nos amis de proximité et quoi de plus naturel que de s'associer avec ceux qui sont dans notre proximité, c'est-à-dire les piétons bien évidemment et les personnes qui se développent en vélo. Parce que les centres-villes se désertifient, une boulangerie c'est de l'animation, une boulangerie c'est un flux hein, de chalands, de clients. La boulangerie aussi, et nous avons l'habitude de dire que c'est la pièce maîtresse d'un arc qui sous-tend tout le commerce alimentaire et tout le commerce en général. Quand une boulangerie meurt, ferme, eh ben c'est toute une rue qui se diversifie ou un quartier. Oui, donc moi j'ai été contacté par Monsieur Lehmann qui m'a proposé cette opération. Je vous avoue que la semaine du développement durable, je n'y avais pas fait attention les autres années. Et il m'a proposé de s'associer pour la promotion de cette action de développement durable. Et donc, nous avons édité une petite affiche que j'ai fait parvenir à 150 boulangers de l'aire toulonnaise en leur demandant de faire un geste commercial quand ils verront le client arriver avec leur vélo. Pour inciter les gens à sortir les vélos des caves et des greniers, d'une part, et d'autre part, pour fidéliser ou essayer de fidéliser ces nouveaux clients. Voilà. Ça se fait que dans le bar. Alors, oui, ça se fait dans le Var. À aujourd'hui, j'ai pas d'autres échos, je vous avoue. En début de mois dernier, au mois de mars, j'ai assisté à Paris à la commission de la communication de la Confédération nationale et je vais transmettre la semaine prochaine l'ensemble du dossier à la Confédération pour que, ils voient ce que nous avons fait dans le Var et pour que, éventuellement, d'autres départements puissent dupliquer cette action.